Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Ça raconte de la merde, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Pourquoi tu parles? Ferme ta gueule 2 minutes pour voir, c'est déjà mis. Pourquoi tu. Yo tout le monde, c'est Scorpion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir récupéré un métamorphe 6IV shiny. Donc, c'est tout simple. Vous rendez sur votre jeu Pokémon violet ou écarlate. Ensuite, vous faites pause. Vous allez dans. Vous connectez déjà en ligne. Donc, il vous faut obligatoirement l'abonnement online nécessaire. Donc, le moins cher, c'est 4€ par mois. Donc, voilà. Ensuite, vous faites pause. Vous allez dans Poképortail. Et vous allez dans échange en réseau. Et là, vous mettez le mot de passe. Vous mettez que des 3. Par contre, font tomber sur la bonne personne. Merde, j'ai enlevé le 3. Font tomber juste sur la bonne personne. Là, on va voir par exemple. Donc, je vais mettre pause et puis on se retrouve juste après quand on est tombé sur la bonne personne. A tout de suite. Donc, on est tombé sur la bonne personne directement. Donc, tout simplement, on va échanger. Donc, regardez, c'est shinyden.com. Donc, il va nous donner un métamorphe shiny. Donc, vous pouvez faire ça à l'infini. Le code est disponible tout le temps, même après la sortie de cette vidéo. Regardez-moi ce magnifique métamorphe. Hop, il est shiny. Donc c'est en un coup que j'ai trouvé le métamorphe shiny. J'ai mis pause mais je l'ai trouvé en un coup. Donc c'est cool. Communication en cours. Et normalement, si je dis pas de conneries, il a 6 IV. Et voilà, vous avez reçu votre métamorphe shiny et normalement on va vérifier. Mais il a bien 6 IV, on va voir s'il échange autre chose par hasard, mais ça m'étonnerait. Normalement il va annuler l'échange. Voilà, il a annulé l'échange. Hop. Donc on vient de recevoir un magnifique métamorphe shiny. On va aller voir dans le PC. Hop, et voilà, et oui, il a bien 6 IV, tout est exceptionnel, et ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc il s'appelle Timide, il est déjà le niveau 100. Hop, on va le classer, on va le mettre là où c'est qu'il y a les shiny. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.